Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit aujourd'hui d'un projet un petit peu particulier. Comme chaque année, je vous propose en effet aujourd'hui de réaliser ensemble un calendrier de l'Avent, une toute nouvelle version 2024, en forme de maison. Vous le verrez par la suite, nous retrouvons même une cheminée ici sur le haut, qui a été confectionnée ici pour cette version précédente dans des teintes traditionnelles, avec la couleur cerise carmin, sans oublier la petite touche d'élégance avec le métallisé doré. Et nous allons aujourd'hui réaliser une nouvelle version dans une teinte un peu plus moderne avec la couleur pampimp. Ce calendrier de l'Avent se compose de 8 boîtes identiques au format rectangulaire. Et dans chacune d'entre elles ont été insérées 3 petites boîtes au format carré pour obtenir les 24 boîtes dans lesquelles nous pourrons y insérer des petites surprises pour nos proches afin de patienter en attendant l'arrivée du Père Noël. Bien évidemment, c'est un calendrier de l'Avent qu'il va être possible de confectionner pour offrir à nos enfants, petits-enfants ou encore neveux et nièces, mais c'est aussi un calendrier de l'Avent qu'il est possible d'offrir à nos proches adultes, que ce soit petits comme grands, simplement en adaptant les petites surprises à l'intérieur. Et comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai ajouté des petites décorations différentes sur chacune de nos boîtes, tout en gardant une cohérence, et où nous retrouvons de jolies petites maisons, nos superbes reines, ou encore des feuilles de houx, des couronnes, sans oublier chacun des chiffres, pour ouvrir chaque jour durant le mois de décembre la case correspondante. Chacune de ces boîtes sont ni trop petites ni trop grandes, idéales donc pour y ajouter, comme le veut la tradition, des petites douceurs chocolatées, mais vous allez pouvoir y ajouter tout plein d'autres petites choses, comme par exemple des barrettes, des chouchous pour les filles, ou encore des bougies, des sachets de thé pour les adultes. Bref, il y a tout plein de petites idées cadeaux à ajouter à l'intérieur d'un calendrier de l'Avent. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous aujourd'hui ma version 2024 de ce calendrier de l'Avent. Donc, si la confection de ce joli calendrier de l'Avent vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement pour un petit moment d'évasion et de créativité. Réalisé ici en couleur cerise carmin, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur pompimpant, afin d'obtenir deux versions complètement différentes, un calendrier de l'Avent pour ma précédente version dans un style traditionnel et le second aujourd'hui dans un style beaucoup plus moderne. Tout d'abord, et pour réaliser les grandes boîtes au format rectangulaire qui vont accueillir chacune à l'intérieur les 3 petites boîtes, nous allons avoir besoin de 8 morceaux de papier unis et qui mesurent 15 cm par 25 cm. Pour réaliser chacune des 24 petites boîtes au format carré, nous allons avoir besoin de 24 carrés, toujours dans la même couleur de papier et de taille 14,1 cm. Nous allons également avoir besoin d'une cartonnette. Il s'agit d'un carton très épais que l'on retrouve notamment à l'arrière des paquets de papier spécialité chez Stampin' Up. Je les conserve toujours. Justement, pour réaliser ce genre de projet, ils sont parfaits, très épais, et nous allons en avoir besoin notamment pour l'arrière de notre calendrier, qui va nous permettre ainsi d'obtenir un socle, mais également la forme de notre maison. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un morceau de cartonnette de 30 cm par 30,5 cm. En plus de ce grand morceau de cartonnette, nous allons avoir besoin d'un autre plus petit, et cette fois-ci, qui nous permettra de confectionner la cheminée de notre maison. Tout y est, tout a été pensé. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un morceau, cette fois-ci, de cartonnette de 5 par 12 cm. Pour maintenir notre décor sur le haut de notre calendrier, à la verticale, nous allons avoir besoin d'une bande de papier, toujours dans la même couleur, de 2 par 17 cm. Pour réaliser la décoration de notre calendrier de l'Avent, nous allons avoir besoin
de deux collections de papiers à motifs différentes. Tout d'abord, la première, qui se nomme « Saison d'élégance », qui porte particulièrement bien son nom, dans des teintes cerise carmin, pampinpan, vert olive ou encore bien beige, et à chaque fois d'un côté de chacune des feuilles, avec de superbes motifs métallisés dorés, une collection chic et élégante. Et nous allons justement l'utiliser tant pour décorer la partie arrière de notre calendrier que chacune des petites cases qui vont le composer. Pour ma version précédente, j'ai utilisé cette feuille de papier en couleur bien beige et j'y ai associé cette feuille en couleur cerise carmin. Aujourd'hui, pour notre nouvelle version du jour, nous allons à nouveau avoir besoin de cette superbe feuille de papier et nous allons y associer cette fois-ci, bien évidemment, notre feuille en couleur ici pampinpan. Et ensuite, nous allons avoir besoin d'une seconde collection, tout aussi chic et élégante, vous allez le voir. Et pour cela, nous allons utiliser la collection Motifs royaux usés, où nous retrouvons à l'intérieur trois feuilles différentes, qui sont à chaque fois en double, dans des teintes blanc, cerise carmin et pampinpan, et à chaque fois avec ces superbes motifs métallisés dorés, une collection que je trouve absolument magnifique. Pour ma version précédente, bien évidemment, j'ai utilisé cette feuille de papier. Aujourd'hui, nous allons changer de version et utiliser celle-ci avec un fond pampinpan pour être coordonnée à notre papier de base. Et nous allons justement avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs, tant dans cette collection que dans la précédente. Je vous montre cette fois-ci tout ça plus en détail. Tout d'abord, pour décorer l'arrière-plan de notre calendrier, pour recouvrir notamment la grande cartonnette en forme de maison, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier à motif qui mesure notamment 30 par 30,5 cm. Pour recouvrir cette fois-ci la cartonnette qui va servir de cheminée à notre calendrier, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier à motif et qui mesure cette fois-ci 7 par 14 cm. Pour décorer cette fois-ci la partie haute de notre calendrier, plate sur lequel va prendre place notre décoration à la verticale, nous allons avoir besoin d'une bande de papier à motif et qui mesure 4,3 par 29,2 cm. Pour décorer cette fois-ci la partie gauche et droite de notre calendrier de l'Avent, nous allons avoir besoin de deux autres bandes, non plus cette fois-ci à l'horizontale mais à la verticale, et qui doivent mesurer chacune 4,3 par 19,7 cm. Et enfin, pour en terminer avec tous nos différents morceaux de papier, nous allons avoir besoin de 24 carrés de 4,1 cm chacun pour décorer nos 24 petites boîtes et j'ai choisi d'en confectionner et d'en réaliser 12 dans ce morceau de papier et 12 dans celui-ci pour avoir une jolie coordination sur l'avant de mon calendrier. Nous avons désormais tout le matériel nécessaire pour confectionner ce joli projet. Je vous propose cette fois-ci de passer à la première étape. Tout d'abord, la première étape, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et nous allons reprendre nos 8 morceaux de papier unis, les plus grands, et qui mesurent chacun 15 par 25 cm. En effet, pour pouvoir réaliser nos boîtes au format rectangulaire, nous allons devoir réaliser des marques de plis dans chacun d'entre eux. Et pour cela, c'est très simple. Je vais réaliser une marque à 5 cm de chaque bord, à gauche, à droite, sur le haut et sur le bas. Et je fais exactement la même chose sur mes 8 morceaux de papier, toujours une marque à 5 cm de tous les côtés. Les marques de plis réalisées dans chacun de nos 8 grands morceaux de papier, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons cette fois-ci reprendre nos 24 carrés de 14,1 cm chacun. Et pour pouvoir justement confectionner chacune de nos petites boîtes,
nous allons devoir réaliser également des marques de plis à 4,7 cm et à 9,4 cm. Et je retourne ensuite mon morceau de papier dans l'autre sens et je refais exactement la même chose. Donc tout d'abord, une marque à 4,7 cm. Et ensuite, une seconde à 9,4 cm. Et je retourne ensuite mon morceau de papier dans l'autre sens et je refais la même chose, 4,7 cm et 9,4 cm afin d'obtenir ceci. Et je vais faire exactement la même chose sur mes 23 autres morceaux de papier. Je vais en faire quelques-uns avec vous en accéléré et je ferai le reste hors caméra afin que la vidéo ne dure trop longtemps. Une fois toutes nos marques de plis réalisées, que ce soit dans nos grands rectangles que dans nos carrés, nous allons pouvoir réaliser cette fois-ci toutes les marques de plis à l'aide de notre plioir et je vais commencer par les réaliser sur chacun de mes 8 rectangles. Une fois toutes nos marques de plis réalisées dans nos 8 morceaux de papier, nous allons pouvoir cette fois-ci couper à certains endroits pour pouvoir ensuite former nos 8 étuis dans lesquels nous viendrons insérer nos petites boîtes. Pour cela, c'est très simple. Je vais tout simplement couper au niveau de mes 2 marques de plis dans la longueur, mais uniquement sur la partie haute et uniquement sur la partie basse pour ouvrir chacun de nos carrés. Et je vais justement les recouper un tout petit peu légèrement en billets de chaque côté. Et je fais exactement la même chose sur mes 8 morceaux de papier. Ceci fait dans nos 8 morceaux de papier, voici ce que vous devez obtenir, nos 4 carrés qui ont été détachés et recoupés un tout petit peu en billets de chaque côté. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir coller et former chacun de nos 8 étuis. Pour cela, c'est très simple, je vais replier chacun de mes carrés sur l'intérieur, ajouter de la colle et replier tant d'un côté que de l'autre côté, pour obtenir cet étui au format rectangulaire dans lequel prendra place nos 3 boîtes au format carré. Et je fais exactement la même chose pour mes 7 autres morceaux de papier afin d'obtenir nos 8 étuis. Tous nos papiers collés et assemblés, voici ce que nous obtenons, nos 8 boîtes au format rectangulaire avec les onglets de collage tant sur le bas que sur le haut et qui vont nous permettre de maintenir parfaitement bien les petites boîtes à l'intérieur. Cette fois-ci, une fois que tous nos supports sont prêts, nous allons nous occuper de nos 24 petites boîtes qui viendront prendre place ensuite à l'intérieur. Et pour cela, je reprends donc mes 24 carrés et je commence dans un premier temps par former correctement toutes les marques de plis. Une fois toutes mes marques de plis réalisées, la prochaine étape, nous allons couper, ouvrir ici au niveau de nos 2 marques de plis, uniquement sur le haut et uniquement sur le bas, et nous viendrons ensuite recouper chacun de nos carrés en rectangle pour avoir seulement un tout petit onglet de collage par la suite. Donc dans un premier temps, première étape, je commence par ouvrir chacun de mes carrés uniquement sur le haut et uniquement sur le bas, et je vous retrouve juste après.
fois nos 24 morceaux de papier ouverts, nous allons cette fois-ci reprendre notre coupe-papier pour recouper chacun des carrés au niveau des coins afin d'obtenir des petits onglets de collage au format rectangulaire. J'ai donc repris mon coupe-papier et pour recouper, c'est très simple, que ce soit d'un côté ou de l'autre côté, je replie mon carré central et je vais positionner ma marque de pli ici, en face, directement sur ma mesure de 2 cm et je viens ensuite couper afin d'obtenir des onglets de 2 cm chacun, non plus au format carré mais rectangulaire. Je retourne de l'autre côté, je replie mon carré sur le centre, je m'aligne avec ma mesure de 2 cm environ et je viens ensuite couper pour pouvoir obtenir ceci sur notre morceau de papier. Et je fais exactement la même chose sur mes 23 autres carrés. Une fois ceci fait sur tous nos morceaux de papier, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir recouper un tout petit peu en biais chacun de nos rectangles, chacun de nos onglets de collage, pour avoir un plus joli rendu par la suite. Une fois tous nos onglets recoupés, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape avant de coller et former chacune de nos boîtes. En effet, cette fois-ci, nous allons nous occuper de coller sur l'avant chacun des petits carrés de 4,1 cm que nous avons préparé tout à l'heure et pour moi dans deux modèles différents. Et pour cela, je vais retourner ma boîte et je vais coller mon carré ici sur la partie haute où se trouvent justement nos deux petits onglets de collage et je vais le fixer ici au niveau du centre et pour certaines, je vais coller mon papier dans un style différent en couleur bien beige pour obtenir une jolie coordination par la suite. Et une fois que tous nos morceaux de papier auront été collés, nous viendrons réaliser une encoche sur le haut à l'aide d'une perforatrice afin de pouvoir entrer et sortir beaucoup plus facilement les boîtes de leurs étuis. Donc je colle chacun de mes petits carrés et je vous retrouve juste après. Petits morceaux de papier à motif collés, voici ce que nous obtenons pour la version pan-pan-pan, mais également pour la version bien beige. Et cette fois-ci, la prochaine étape, à l'aide de ma perforatrice 2 pouces, je vais perforer sur le haut, ici à ce niveau-là, mais un tout petit peu, simplement pour avoir une petite encoche, une petite poignée qui nous permette ainsi de sortir et d'entrer beaucoup plus facilement chacune de nos boîtes. Et je fais exactement la même chose sur toutes mes boîtes. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Une fois que cette petite encoche est réalisée dans chacun de nos morceaux de papier, nous allons pouvoir enfin coller et former chacune de nos boîtes. Et pour cela, c'est très simple. Je vais ajouter de la colle sur mes petits onglets au format rectangulaire, les replier sur l'intérieur, replier d'un côté, mais également de l'autre côté, pour obtenir chacune de nos petites boîtes. Donc je colle, j'assemble le tout et je vous retrouve juste après. Chacune de nos petites boîtes collées et assemblées, voici le joli rendu que nous obtenons
24 petites boîtes au format carré, avec à chaque fois une petite encoche sur l'avant. Nous allons pouvoir justement les mettre de côté et nous allons nous occuper cette fois-ci des étuis qui vont accueillir chacune de ces petites boîtes. J'ai donc repris 4 de nos 8 étuis et nous allons commencer par les coller et les assembler par deux. Je vais ici ajouter de la colle sur la partie haute et fixer mes deux étuis sur la partie centrale en appuyant sur l'intérieur. Et je vais faire exactement la même chose pour mes deux autres étuis. Et je fais bien attention de les aligner correctement de chaque côté. Une fois que nous obtenons deux blocs de deux étuis, nous allons faire la même chose avec nos 4 étuis restants, les coller et les assembler par deux. Une fois que nous avons 4 blocs de 2 étuis chacun, nous allons pouvoir les coller et les assembler l'un en dessous de l'autre pour obtenir 4 étuis sur la gauche et 4 étuis sur la droite. Je vais donc simplement ajouter de la colle ici et les fixer pour pouvoir obtenir 4 étuis les uns en dessous des autres. Et je fais la même chose ici pour la partie de gauche. Je colle et j'assemble à ce niveau-là. Une fois que nous avons deux blocs de 4 étuis, nous allons pouvoir, cette fois-ci, la dernière étape, les coller et les assembler entre eux au niveau de la partie centrale. J'ajoute donc de la colle ici et je viens les fixer sur le centre pour obtenir tous nos étuis, les 8 étuis, 4 d'un côté et 4 de l'autre côté, qui vont pouvoir ensuite accueillir à l'intérieur chacune de nos petites boîtes. Tous nos étuis collés et assemblés entre eux, voici ce que nous obtenons et nous allons pouvoir y ajouter par la suite sans aucun problème nos 3 petites boîtes dans chacun d'entre eux. Comme vous pouvez le voir, elles tiennent parfaitement bien. Avant justement de positionner toutes nos boîtes, nous allons nous occuper de la structure qui va prendre place sur l'arrière, notre cartonnette en forme de maison qui va décorer notre calendrier de l'Avent en plus de le solidifier. Je mets donc tout ceci de côté, je prends ma cartonnette et je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, nous allons nous occuper de la cheminée de notre maison et pour cela, nous allons reprendre notre morceau de cartonnette de 5 par 12 cm, mais également notre morceau de papier à motif de 7 par 14 cm. Je vais retourner mon morceau de papier à motif, ajouter de la colle ici sur toute la surface de ma cartonnette et la retourner et la coller dans un premier temps au centre de mon papier à motif. Et je viens appuyer fermement pour fixer mon carton à mon morceau de papier à motif. Une fois que ceci est fait, je vais avoir besoin de mes ciseaux. Et je vais recouper en biais au niveau des 4 coins. Je laisse un tout petit millimètre. Vous le voyez, je recoupe simplement. Je laisse un tout petit millimètre ici. Et nous allons ensuite pouvoir recouvrir cette cartonnette afin de cacher le côté pas très joli. Je viens tout simplement, à l'aide de mon plioir, replier ces petits onglets. Donc je me place, vous le voyez, ici en dessous. Je replie, je relève et ensuite je rabats. Je fais la même chose pour chacun de mes onglets. Et le petit dernier juste ici. Et ensuite, nous allons pouvoir ajouter de la colle sur chacun d'entre eux et fixer nos petits onglets à l'arrière pour pouvoir obtenir
une cheminée décorée grâce à notre superbe papier à motif. Donc j'ajoute de la colle sur chacun de mes onglets et je les rabats à l'arrière de ma cartonnette. Et vous allez voir que nous obtenons notre cheminée toute décorée. Bien évidemment, il est possible de rajouter un autre morceau de papier à motif ici sur l'arrière si vous le souhaitez. Personnellement, je ne vais pas le faire puisque cette partie va être complètement invisible. Elle va être en effet positionnée à l'arrière de notre calendrier. Et voici ce que nous obtenons, notre cartonnette qui a été recouverte de notre papier à motif. Nous allons pouvoir mettre notre cheminée de côté et nous occuper de la base que nous allons découper en forme de maison. J'ai donc repris ma très grande cartonnette et je positionne devant moi dans la largeur mes 30 cm et dans la hauteur les 30,5 cm. Et nous allons devoir réaliser un petit repère dans un premier temps ici complètement sur le haut à l'aide d'un crayon de papier et d'une règle, soit au centre à 15 cm. Et nous allons réaliser deux autres petits repères cette fois-ci sur la partie gauche et sur la partie de droite à 10 cm en partant du haut de notre cartonnette. Et je fais simplement un petit repère à 10 d'un côté mais également de l'autre côté. Et une fois que nous avons nos trois repères, ici sur le haut à 15 et à 10 cm du bord haut, je vais simplement tracer une ligne d'un côté et de l'autre côté en partant de mon petit repère ici au centre et en rejoignant mon repère à gauche et celui sur la droite pour tout simplement donner une forme de maison à notre cartonnette. Une fois que nos traces sont faites au crayon de papier, nous allons devoir cette fois-ci couper, retirer cette partie ici à gauche et à droite en suivant simplement la trace que nous venons de réaliser au crayon de papier. Vous pouvez le faire, pourquoi pas, au cutter. Personnellement, je vais le faire à l'aide de mon coupe-papier en utilisant une vieille lame que je garde tout spécialement pour les morceaux de cartonnette et je vais couper d'un côté puis retourner et couper de l'autre côté afin de retirer sans aucun problème ces deux parties sur le haut et nous obtiendrons ensuite la forme de maison et notre cheminée pourra prendre place ici sur la droite. Une fois nos deux parties retirées de chaque côté, sur le haut à gauche et à droite, voici ce que nous obtenons, la forme de maison dans notre cartonnette. Et cette fois-ci, nous n'allons bien évidemment pas la laisser telle qu'elle, nous allons la décorer en la recouvrant de notre morceau de papier à motif que nous avons préparé tout à l'heure. Et encore une fois, c'est très simple, je reprends mon grand morceau de papier à motif, je positionne mes 30 cm dans la largeur et le plus haut, le 30,5 cm dans la hauteur. Je vais ajouter de la colle ici sur ma cartonnette, retourner mon morceau de papier et coller le tout bord à bord sur le bas, sur la gauche et sur la droite. Je fais attention de me positionner bien droit et je viendrai ensuite appuyer pour fixer le tout. Et concernant ici la partie haute, je vais replier délicatement à l'aide de mon plioir comme nous l'avons fait tout à l'heure pour la cheminée. Et je viendrai coller l'excédent ici sur l'arrière. Tout d'abord, je commence par coller l'ensemble de ma cartonnette. Une fois que l'ensemble de ma cartonnette est collé, je viens rabattre délicatement le haut sur l'arrière à l'aide de mon plioir. Et je vais ensuite ajouter de la colle pour fixer le tout sur l'arrière.
notre papier à motif qui a recouvert notre cartonnette, voici ce que nous obtenons avec notre forme de maison sur le haut. Et cette fois-ci, pour en terminer avec la structure de notre calendrier, nous allons pouvoir reprendre notre ensemble d'étuis que nous avons préparé tout à l'heure. Nous allons simplement ajouter de la colle ici sur l'arrière, sur chacun de nos étuis, et nous allons fixer le tout sur notre cartonnette et notamment sur la partie basse en nous alignant de chaque côté à gauche et à droite, mais également sur le bas pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Vraiment, je m'aligne ici complètement sur le bas, à gauche et à droite. Vous allez voir que ça va correspondre parfaitement. Et il va nous rester ensuite un espace ici sur le haut pour pouvoir y ajouter toute notre décoration, sans oublier notre cheminée ici sur l'arrière. Une fois que la structure arrière est fixée à chacun de nos étuis, et avant de positionner nos 24 petites boîtes à l'intérieur, nous allons pouvoir reprendre notre cheminée. Je vais ajouter de la colle uniquement sur la partie basse et je vais la fixer ici sur la droite pour la laisser ressortir à peu près à ce niveau-là et obtenir une véritable petite maison. Afin d'obtenir la cheminée de notre petite maison qui, vous le voyez, est désormais positionnée. Et cette fois-ci, pour terminer la structure de notre calendrier et avant de coller nos derniers morceaux de papier à motif, je vais positionner à l'intérieur chacune des petites boîtes que nous avons préparées tout à l'heure en alternant simplement les couleurs. Nos 24 petites boîtes positionnées à l'intérieur de nos 8 étuis, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre calendrier a complètement changé d'allure et la structure est bel et bien terminée. Il nous reste une dernière étape, à savoir coller nos 3 derniers morceaux de papier à motif avant de passer à toute la décoration. Et pour cela, je commence par reprendre mon morceau qui mesure 4,3 par 29,2 cm et je vais le fixer ici complètement sur le haut à ce niveau-là. Et ensuite, pour terminer la structure de notre calendrier, nous allons coller un morceau de papier ici sur la partie de droite et de gauche. Pour cela, je reprends les deux morceaux, les deux bandes de 4,3 par 19,7 cm et je vais les fixer ici, tant sur la droite que sur la gauche. Une fois nos dernières bandes de papier à motif collées, voici le rendu final que nous obtenons concernant la structure de notre calendrier. Comme vous pouvez le voir, il commence à prendre forme et il ne nous reste cette fois-ci plus qu'à le décorer, tant au niveau de nos petites boîtes que sur le haut à ce niveau-là en ajoutant de la décoration à la verticale. Nous allons donc pouvoir passer à la prochaine étape, toute la décoration pour sublimer notre calendrier en y ajoutant tout plein de petits éléments. Tout d'abord, et dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser tous nos chiffres allant de 1 à 24. Et puisque je souhaitais des chiffres relativement petits pour me permettre de décorer comme je le souhaitais chacune de mes petites boîtes, j'ai décidé de créer moi-même un fichier tout spécialement pour l'occasion que je mets à votre disposition gratuitement sur mon blog. L'adresse se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir le télécharger et l'imprimer pour pouvoir à votre tour découper chacun de ces chiffres. Personnellement, je l'ai imprimé sur du papier vanille. Bien évidemment, vous pouvez l'imprimer si vous le souhaitez sur du papier blanc.
j'ai souhaité l'imprimer sur ce papier afin qu'il reste coordonné au côté chaleureux de la couleur bien beige qui se trouve déjà sur notre calendrier. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons à chaque fois tous nos chiffres allant de 1 à 24 dans trois couleurs différentes. Ici en couleur cerise carmin que j'ai utilisé pour mon calendrier de l'Avent précédent en couleur traditionnelle. Ici, nous retrouvons en couleur pan-pan-pan la couleur de notre calendrier du jour. Et enfin, je vous ai également mis à disposition les chiffres en couleur noire si vous souhaitez utiliser ni l'une ni l'autre couleur et afin de pouvoir l'adapter à toutes les teintes de votre choix. Et il vous suffit simplement de découper à l'aide de votre coupe-papier, ici au centre, puis sur le bas, pour garder la couleur que vous souhaitez. Et ensuite, nous allons pouvoir découper le tout à l'aide d'un poinçon coordonné. Pour justement les découper, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons, et notamment la collection qui se nomme Vœux bien tournés, qui permet notamment de réaliser de superbes rosaces en papier, comme par exemple ici, pour les rosaces personnalisées que j'ai offertes pour les personnes ayant adhéré au papier partagé du catalogue Printemps-été 2024 au début de l'année. Je leur ai réalisé à chacune de mes clientes cette jolie petite rosace avec l'initiale de leur prénom. Et nous pouvons notamment réaliser cette superbe décoration grâce au poinçon qui se trouve juste ici pour pouvoir réaliser ce style de décoration, mais également pour réaliser des rosaces à apposer sur nos cartes de vœux. Et justement, parmi cette collection de poinçons se trouve un tout petit cercle idéal. Je vais donc l'utiliser pour découper chacun de mes chiffres les uns après les autres. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je découpe chacun de mes chiffres et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes chiffres découpés, voici ce que nous obtenons en couleur pan-pan-pan, coordonnée donc à notre calendrier de l'Avent. Et je vais cette fois-ci, avant de les mettre de côté, ajouter à l'arrière de chacune de mes découpes un mini stampin dimensionnel pour pouvoir ensuite les coller en volume à l'avant de chacune de nos petites boîtes. Une fois nos mini stampines dimensionnelles ajoutées à l'arrière de chacun de nos chiffres, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous occuper de la décoration de l'avant de chacune de nos 24 petites boîtes. Et justement, pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Plaisir de Reine, avec, vous vous en doutez, de superbes reines à l'intérieur. Collection de poinçons qui est également coordonnée un set de tampons du même nom, où nous retrouvons nos superbes reines, mais également de jolis messages, coordonnés à nos poinçons. Il est tout à fait possible de tamponner et de découper ensuite avec ces poinçons coordonnés. Et c'est une collection que nous allons beaucoup utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, pour décorer notre calendrier de l'Avent, nous allons uniquement avoir besoin de nos poinçons, puisqu'ils nous permettent de réaliser tout plein de petites merveilles. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre poinçon juste ici, feuille de houx, que nous allons découper plusieurs fois, et notamment 4 fois, dans du papier métallisé doré. En plus de ces feuilles de houx, nous allons réaliser également de jolies couronnes, grâce à ce poinçon juste ici, et je vais également en réaliser plusieurs. Tout d'abord, 4 en couleur très vanille, comme je l'ai fait pour ma version précédente, et nous allons ensuite en réaliser 12 supplémentaires, cette fois-ci en couleur, à savoir dans notre couleur coordonnée pan-pan-pan, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur cerise carmin. Une fois que nous aurons fait ces découpes, nous allons en réaliser d'autres, et cette fois-ci de superbes têtes de reine. Vous allez voir, elles sont absolument magnifiques, et tout cela très simplement grâce à chacun de ces poinçons. Et pour décorer nos boîtes, je vais réaliser 4 têtes de reine,
Tout d'abord, je vais avoir besoin de ce premier poinçon juste ici, qui va être positionné complètement sur l'arrière et que je vais découper donc 4 fois dans du papier métallisé doré. Nous allons également découper 4 fois ce poinçon, cette fois-ci dans un papier différent et notamment dans du papier en couleur très vanille. Et enfin, pour réaliser le dernier élément de notre reine, nous allons avoir besoin de ce poinçon que nous allons découper cette fois-ci dans du papier en couleur brune dune. Donc je réalise toutes mes découpes, mes couronnes, mes feuilles de houx, mais également de quoi confectionner chacun de nos serres. Et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout ensemble. Une fois toutes mes découpes faites, voici ce que nous obtenons. Nous retrouvons ici 4 feuilles de houx en couleur métallisée dorée. J'ai également réalisé 4 couronnes en couleur très vanille, mais également 12 autres en couleur pampinpin. Et enfin, j'ai réalisé tous les éléments pour nos reines. Première étape, deuxième et troisième étape. Ici, l'arrière de notre découpe en couleur métallisée dorée avec les bois de nos reines. Nous retrouvons également la partie intermédiaire réalisée en couleur très vanille. Et enfin, la dernière étape, cette fois-ci l'avant de notre découpe en couleur brune dune. Et je vais pouvoir cette fois-ci justement les coller et les assembler entre eux. Vous allez voir que c'est très facile. Je vais ajouter de la colle à l'arrière de cette première découpe et la fixer sur celle en couleur vanille, simplement en l'alignant bord à bord pour obtenir ceci. Vous voyez que le résultat est déjà magnifique. Mais ce n'est pas tout. Nous allons ensuite ajouter à nouveau de la colle sur ces deux découpes et fixer le tout sur notre découpe métallisée dorée pour obtenir cette superbe tête de reine avec les bois qui apparaissent en métallisé doré, mais également ses petits yeux et sa bouche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve absolument magnifiques. Et bien évidemment, il est possible de les réaliser dans toutes les couleurs de notre choix. Donc je colle, j'assemble le tout et je vous retrouve juste après. Nos 4 têtes de serre confectionnées et avant de coller le tout sur notre calendrier, je vais simplement ajouter sur l'arrière des stampings dimensionnels sur mes 4 découpes afin de les coller par la suite en volume. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir reprendre notre calendrier et coller et assembler le tout sur l'avant de nos 24 petites boîtes. Et la première étape, je vais commencer par coller chacune de mes couronnes en couleur pampinpin sur toutes mes boîtes en couleur bien beige. Et j'ajoute simplement de la colle sur l'arrière et je les fixe au niveau du centre pour pouvoir à chaque fois obtenir ceci. Nos 12 couronnes collées en couleur pompinpan, nous allons pouvoir reprendre nos 4 couronnes en couleur très vanille et les coller sur certaines de nos boîtes en couleur pompinpan afin qu'elles ressortent superbement bien. Et je vais ensuite coller au centre ma tête de reine en retirant mes pellicules protectrices et je viendrai la fixer ici par-dessus au niveau du centre pour obtenir ceci. Thank you.
fois mes couronnes en couleur très vanille positionnées, mais également toutes nos jolies têtes de cerf, nous allons pouvoir fixer les derniers éléments, à savoir nos feuilles de houx que je vais fixer sur des boîtes en couleur pan-pan-pan à l'aide d'un mini point de colle que je positionne simplement au niveau du centre. Une fois tous ces éléments positionnés, comme vous pouvez le voir, notre calendrier commence à prendre forme. Et justement, cette fois-ci, et avant d'y apposer chacun de nos chiffres, nous allons nous occuper des derniers éléments, à savoir de jolies petites maisons, de jolies chaumières, qui vont prendre place ici sur les boîtes vides en couleur pan-pan-pan. Pour pouvoir justement les réaliser et pour décorer également le haut de notre calendrier, nous allons cette fois-ci avoir besoin de la collection Humble Chaumière, qui se compose du set de tampons et de la perforatrice coordonnée, et qui nous permet, comme son nom l'indique, de réaliser de jolies petites maisons dans deux styles différents, mais également d'y apporter des petits éléments supplémentaires et de découper le tout très facilement avec la perforatrice coordonnée. En plus de cela, nous retrouvons également des petits messages idéaux pour toutes les occasions au cours de l'année, ici pour Noël, pour un anniversaire, simplement pour le plaisir ou encore pour des remerciements ou une invitation. Bref, un petit set de tampons idéal à avoir sous la main tout au long de l'année. Et justement, aujourd'hui, nous allons l'utiliser pour décorer notre superbe calendrier et c'est une collection que nous viendrons beaucoup réutiliser à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Et pour pouvoir décorer notre calendrier, nous allons réaliser 4 petites maisons juste ici qui vont prendre place sur 4 de nos boîtes et nous viendrons en réaliser 4 supplémentaires qui viendront cette fois-ci décorer le haut de notre calendrier sur l'espace à la verticale. Et pour les réaliser, nous allons utiliser une technique un peu particulière afin de rester dans le chic et l'élégance de notre calendrier de l'Avent. Je vais en effet utiliser la technique de l'embossage à chaud. Je vais tamponner ma petite maison avec mon encre transparente, mon encre Versamark. Et une fois ceci fait, je viendrai déposer par-dessus ma poudre à embosser en couleur métallisée dorée et je viendrai simplement faire fondre le tout avec mon pistolet à chaleur. Et pour 6 d'entre elles, je vais les réaliser sur du papier en couleur très vanille et pour 2 autres, je vais les réaliser sur du papier en couleur pan-pan-pan. Donc dans un premier temps, je réalise tous mes tamponnages, j'embosse à chaud. Et je viendrai ensuite les découper très simplement à l'aide de ma perforatrice. Donc vous le voyez, je tamponne d'une manière tout ce qu'il y a de plus normal. Et nous obtenons un tamponnage tout en transparence. Et je viens cette fois-ci déposer ma poudre directement par-dessus pour la faire adhérer et ensuite je pourrai la faire fondre avec mon pistolet à chaleur. Et il me suffit de la déposer telle qu'elle et ensuite de tapoter pour ôter l'excédent et nous apercevons déjà nos jolies petites maisons qui apparaissent et il me suffit cette fois-ci de faire fondre le tout à l'aide de mon pistolet. Avant cela, je vais réaliser mes petites maisons en couleur très vanille. Vous le voyez très certainement, le rendu entre le avant à droite qui n'a pas été embossé, qui n'a pas été fondu, et la petite maison de gauche où elle, la poudre a été fondue avec le pistolet à chaleur, le rendu est différent et tellement magnifique.
mes petites maisons embossées à chaud sur mon papier vanille, mais également sur mon papier pan-pan-pan. Il me suffit cette fois-ci de les découper avec ma perforatrice corde. Et vous allez voir, en un instant, en un coup de perforatrice, c'est fait. Il me suffit de me positionner correctement tout autour et de perforer afin d'obtenir cette jolie petite maison. Et je fais la même chose pour mes autres tamponnages. Une fois toutes nos petites maisons tamponnées, embossées à chaud puis découpées, voici ce que nous obtenons pour nos maisons en couleur pan-pan-pan. Elles sont absolument magnifiques et nous avons également la version en couleur ici très vanille. Et pour 4 d'entre elles, je vais cette fois-ci leur ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles afin de les coller en volume sur l'avant de nos petites boîtes. Et pour les 4 autres, 2 en pan-pan-pan et 2 en vanille, je vais les mettre de côté puisqu'elles prendront place par la suite sur le haut de notre calendrier. Une fois nos petites maisons prêtes, je vais pouvoir reprendre le calendrier et les positionner sur chacune de leurs boîtes. Et je vais pouvoir les coller évidemment sur les 4 petites boîtes restantes qui n'ont pas encore été décorées. Vous pouvez le voir, toutes nos boîtes sont désormais décorées. Il ne nous restera plus qu'à y ajouter quelques petits bijoux par la suite. Avant cela, je vais pouvoir reprendre chacun de nos chiffres, ôter les pellicules protectrices et les apposer sur chacune de mes boîtes pour en faire cette fois-ci un véritable calendrier de l'Avent. Chacun des chiffres positionnés, comme vous pouvez le voir, notre calendrier a complètement changé d'allure. Il s'agit désormais d'un véritable calendrier de l'Avent. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai positionné certains au centre des couronnes, d'autres sur le bas des serres et enfin d'autres au niveau de nos petites maisons. Cette fois-ci, nous en avons désormais terminé au niveau de nos 24 petites boîtes. Nous allons pouvoir nous occuper du haut de notre calendrier. Et pour cela, et pour venir compléter les 4 petites maisons que nous avons préparées tout à l'heure, nous allons réaliser des éléments supplémentaires et dans un premier temps de jolis sapins. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme sapin décoratif, où nous retrouvons à l'intérieur 2 planches de poinçons, vous l'aurez compris, qui nous permet de réaliser de superbes sapins avec des petits détails à l'intérieur juste magnifiques. Et pour compléter notre calendrier de l'Avent, nous allons justement réaliser 2 sapins différents. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre base de sapin juste ici, que je vais réaliser 2 fois dans du papier en couleur pan-pan-pan. Et je vais réaliser des éléments supplémentaires pour positionner à l'intérieur, notamment ce superbe sapin juste ici, mais également celui-ci que je vais réaliser cette fois-ci dans du papier métallisé doré et nous viendrons ensuite les coller et les assembler entre eux pour obtenir de superbes sapins. Et par la même occasion, je vais réaliser une petite étoile juste ici dans du papier en couleur pan-pan-pan. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous montre le rendu ensuite d'un petit peu plus près. Thank you.
nos sapins découpés, voici ce que nous obtenons. Ici, deux sapins pleins en couleur pompimpant et également deux découpes supplémentaires, beaucoup plus fines cette fois-ci, en version métallisée dorée. La première juste ici, avec de magnifiques flocons à l'intérieur. Et le second, et il me suffit d'ajouter de la colle sur l'arrière et de positionner chacune de mes découpes sur mes sapins en couleur pompimpant pour obtenir ce magnifique rendu tant sur l'un que sur l'autre. Donc je colle, j'assemble et je vous montre ensuite le rendu d'un petit peu plus près de ces magnifiques sapins. Et je vais également ajouter un mini stamping dimensionnel à l'arrière de mon étoile. Une fois nos deux sapins collés et assemblés, voici le joli rendu que nous obtenons pour le premier, mais également pour le second ici, tout aussi chic et élégant. Cette fois-ci, avant de coller et tout assembler sur notre calendrier, nous allons nous occuper de réaliser les derniers petits éléments qui vont encore une fois le sublimer. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons à nouveau reprendre notre collection Plaisir de Reine, que nous avons utilisé tout à l'heure pour réaliser nos superbes rennes, mais pas que. Et nous allons à nouveau avoir besoin de certains éléments, notamment notre jolie guirlande juste ici, que je vais découper dans une chute de papier en couleur pompimpant. Je vais également réaliser une feuille de houx juste ici, cette fois-ci en couleur très vanille. Et enfin, les petites baies qui vont prendre place au centre, que je vais découper cette fois-ci dans une autre couleur pompimpant. Donc je réalise ces découpes et je vous retrouve juste après pour préparer le dernier élément qui prendra place sur notre calendrier. Une fois notre feuille de houx, mais également les petites baies réalisées qui vont prendre place ici au centre, mais également notre jolie guirlande, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un dernier élément et vous allez le voir, non des moindres. En effet, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un lot éphémère qui se nomme Joyeuses images où nous retrouvons à l'intérieur 8 planches, 2 dans chacun des motifs différents. Ici, nous retrouvons 2 premières planches avec des motifs imprimés qu'il ne nous reste plus qu'à détacher pour utiliser sur nos créations avec des éléments absolument magnifiques que nous avons d'ailleurs utilisés lors de la création de ma première page de scrap. Vous voyez, nous retrouvons cette petite maison juste magnifique, le nounours, des patins de glace, mais également cet ensemble de sapins, un poinsettia, une botte de Noël, ou encore ici sur cette dernière planche, de superbes cerfs, un bonhomme de neige, de jolis nœuds cadeaux, mais également tout plein d'éléments typiques de Noël, pour agrémenter facilement et rapidement nos créations. Et justement, pour terminer aujourd'hui magnifiquement bien notre calendrier, nous allons avoir besoin de cette grande découpe de serre juste ici, et il me suffit de le découper pour le détacher afin d'obtenir ce superbe élément qui va prendre place sur le haut de notre calendrier. Cette fois-ci, nous avons absolument tous les éléments pour finaliser notre calendrier de l'Avent. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Et justement, pour positionner notre jolie serre, mais également nos superbes sapins ou encore nos adorables petites maisons, nous allons avoir besoin d'un support qui va nous permettre de les positionner parfaitement bien à la verticale. Et c'est justement ce que nous allons faire cette fois-ci. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'ai préparé une bande de 2 par 17 cm sur laquelle nous allons devoir réaliser une marque de pli au centre dans la longueur à 1 cm. Et cette bande va nous permettre de pouvoir positionner 2 de nos sapins, mais également notre serre. Concernant nos petites maisons, j'ai préparé 2 autres bandes, toujours de 2 cm, au niveau de la longueur, peu importe, puisque nous allons la recouper,
Et je vais également faire une marque de pli dans la longueur au centre à 1 cm. Je prends donc simplement mon coupe-papier et je vais réaliser un pli au centre à 1 cm. Et je fais exactement la même chose sur mes deux autres bandes de papier. Une fois nos marques de plis faites, au centre, je viens simplement appuyer à l'aide de mes mains et nous allons ainsi obtenir un support. Nous viendrons ajouter de la colle ici sur la partie basse et coller nos éléments ici à la verticale sur la partie avant. Et c'est justement ce que je vais faire dans un premier temps. Je vais fixer complètement sur la gauche l'un de mes sapins, notamment celui-ci, en ajoutant de la colle bien évidemment uniquement sur le bas et je viendrai le fixer ici par-dessus ma bande en laissant la partie de 1 cm dépassée. Je viens le coller uniquement sur 1 cm et complètement sur la gauche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec mon autre sapin. Et au centre, je viendrai ajouter mon superbe serre en ajoutant toujours de la colle uniquement sur le bas et en fixant ici à ce niveau-là. Donc je commence déjà par coller ces trois éléments. Et je positionne ma bande telle qu'elle. Je laisse 1 cm à plat et 1 cm sur l'avant à la verticale. Et je viens fixer mes différents éléments. Mes trois éléments fixés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons un support qu'il ne nous restera plus qu'à positionner sur le haut de notre calendrier et qui tient parfaitement bien, même sans être collé à la verticale. Nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons nous occuper de nos petites maisons que nous allons positionner exactement de la même manière. Pour mes petites maisons pan-pan-pan, je vais utiliser ma bande pan-pan-pan et pour les deux autres, évidemment, ma bande dans la même couleur, à savoir très vanille. Et étant donné que je veux les coller individuellement, je vais devoir couper. Donc dans un premier temps, je plie ma bande. Je vais ajouter un peu de colle uniquement sur la partie basse de ma maison. Je vais la fixer, la coller sur le bas et je viendrai ensuite couper au niveau de l'extrémité et faire la même chose pour mes trois autres petites maisons. Donc dans un premier temps, j'ajoute la colle et cela nous fera, vous allez le voir, des petits supports idéaux pour positionner au niveau de notre paysage. Donc je viens fixer ma maison. Je fais attention de me positionner au bout. J'attends que la colle prenne et je viens ensuite couper et je fais ensuite la même chose. Une fois ma colle sèche, je viens couper et nous obtenons ainsi un petit support pour notre maison. Nous avons l'emplacement idéal pour pouvoir ajouter notre colle et fixer notre maison à la verticale. Et je fais exactement la même chose pour mes trois autres maisons. Que notre support est prêt, mais également que nous avons toutes nos petites maisons, nous allons pouvoir reprendre notre calendrier, coller et assembler le tout pour obtenir notre résultat final. J'ai donc repris notre calendrier et première étape, dans un premier temps, je vais commencer par fixer ma jolie guirlande ici sur la partie haute de ma maison, au niveau du toit, à ce niveau-là, et je vais positionner juste en haut notre jolie étoile que nous avons préparée tout à l'heure. Une fois que ces deux éléments sont positionnés, je vais pouvoir reprendre notre feuille de houx
je vais la coller sur la cheminée et positionner au centre les petites baies en couleur évidemment pompimpon. Une fois ces éléments positionnés sur la partie haute, nous allons pouvoir positionner tous nos éléments ici à la verticale. Je vais donc positionner devant moi mon calendrier et je vais simplement ajouter de la colle dans un premier temps ici sur la partie basse de notre support et je vais le fixer ici sur la partie arrière. Puis je vais agrémenter le tout avec nos petites maisons et je vais en positionner deux de chaque côté, une dans chacune de nos couleurs. Première étape, je commence déjà par fixer cet élément central. Une fois tous mes éléments positionnés sur le haut, à la verticale, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, j'ai positionné notre élément au centre avec les deux sapins et le renne et deux petites maisons de chaque côté dans chacune de nos couleurs. Et comme vous pouvez le voir, ils tiennent sans aucun problème. Il s'agit d'un calendrier absolument magnifique que vous allez pouvoir conserver d'année en année sans aucun problème. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour, il ne nous reste plus que quelques petites touches finales à lui ajouter pour le sublimer. Et pour cela, je vais simplement utiliser, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, quelques perles écloses en version métallisée dorée que je vais ajouter par ciel. Une fois ces derniers petits bijoux ajoutés, ici un sur l'étoile tout en haut de notre calendrier et quelques-uns sur l'avant au niveau de certaines boîtes, voici le superbe rendu final que nous obtenons. Et comme vous pouvez le voir, notre joli calendrier de l'Avent 2024 est désormais terminé, un calendrier qui me plaît tout autant que le précédent, et je l'espère sincèrement du fond du cœur qu'il vous plaira tout autant qu'à moi. Et c'est un joli cadeau à s'offrir, à garnir de petites douceurs chocolatées, ou à offrir, pourquoi pas à son cher et tendre, mais aussi et bien évidemment à nos enfants ou petits-enfants, pour passer un merveilleux mois de décembre en attendant l'arrivée et le passage du Père Noël. Bien évidemment, et comme vous vous en doutez, impossible pour moi de vous présenter les deux versions de notre projet du jour, le précédent en couleur cerise carmin dans des teintes traditionnelles et celui que nous avons réalisé ensemble aujourd'hui, un peu plus moderne, cette fois-ci en couleur pompimpon. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce projet créatif un petit peu particulier de l'année 2024 vous plaira. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me dire juste ici en dessous en commentaire quelle version vous préférez, traditionnelle en couleur cerise carmin ou moderne en version pompimpon, c'est à vous de jouer. Moi je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.